Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 19e épisode du Let's Play sur GTA V. Et ça faisait longtemps que j'avais pas tourné, oh là là, ça faisait longtemps. Ça faisait... combien de temps? Ça faisait 2 semaines je crois du coup. Bah on retourne sur le jeu et je sais plus ce que je vous avais dit qu'on allait faire dans cet épisode, donc ça c'est plutôt gênant. En tout cas ce qui est plutôt charmant en ce début d'épisode... c'est qu'il y a un putain de sale temps. Voilà, le seul truc que je me rappelle en fin de dernier épisode, c'est qu'on s'était rendu ici avec Michael. On avait une conversation à propos de Trevor et tout ça. Donc je crois que c'est le seul truc dont je me souviens. Oui, on avait fait aussi une mission avec, avec Michael à la morgue dans le dernier épisode, si je me souviens bien. Oui, c'était ça. Et après, je sais que je vous avais dit un truc en fin d'épisode, mais je sais plus quoi. Sur l'organisation de ce... de cet épisode. Donc on va voir ça, attendez, sa radio à chaque fois je me trompe pour la couper. Aussi, un truc que j'ai oublié d'aller voir, c'est la bourse. Est-ce que ça a changé depuis la dernière fois? Est-ce que ça a fructifié mon porte-monnaie? Prix actuel, 1-1-1. Donc là on a zéro profit encore pour l'instant, c'est bien cela. Ok, donc non, pour l'instant on a zéro, donc ça sert à rien, faut encore attendre, putain ça prend du temps. Et du coup on va faire un check-up de la carte, même si je l'avais déjà fait en fin de dernier épisode, vu que je m'en souviens plus, bah voilà, tant pis. Donc, on a deux missions avec Michael déjà, donc FBI et la mission, bah Michael. Super, on a une mission Lester, donc ça c'est l'assassinat, encore une fois, donc ça sera pour fructifier... notre argent à la bourse. Donc pour l'instant déjà que la première mission n'a pas encore ses conséquences sur la bourse, on va attendre pour la faire. Et on a une mission Trevor, donc ça c'est en lien normalement avec Meriwether, je crois que c'était ça. On avait reçu un petit SMS. Donc dans vraiment l'esprit le plus logique, on va se diriger bah, pour faire la mission de Michael. Donc on va bah, également changer de personnage, c'est important. Hop, on switch sur Michael et c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc je sais pas du tout quelle mission ça va être, c'est le grand mystère. On va voir ça ensemble de toute façon. Alors je me trouve, ok, donc Michael a décidé de faire du vélo sous ce sale temps. C'est son choix, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est lui qui décide. Oula, par contre là, non, c'est bon, on a bien... c'est bien établi. Alors, on a un message de Dave Norton. Je vais pas avoir le temps de le lire, donc autant reprendre directement le téléphone. Donc ça c'est Martin du coup, c'est un email. Ouais, c'est un email. Alors, reste calme, écoute, tu es probablement très contrarié par la petite faveur que je viens de te demander. J'aurais préféré ne pas t'impliquer, mais mon chef fouille dans les vieux dossiers. Je sais qu'on avait un arrangement. Merde, comment on baisse avec ça? Ah, je sais qu'on avait un arrangement, mais vois ça comme un nouvel accord. C'est regrettable, mais comme je te l'ai dit, tu es sorti toi-même de ma protection en reprenant tes activités. Je t'avais prévenu que ça poserait problème, mais tu m'as pas écouté. Je vais faire de mon mieux pour te protéger en tant que partenaire privilégié de ma firme. Mais tu vas devoir y mettre un peu du tien. Ok, Davey. Donc ça va avoir encore un lien avec Dave, la mission qu'on va faire là. Il a arrêté de pleuvoir. Oh merci. Merci parce que quand il pleut c'est vraiment horrible. En plus t'as le bruit du vent et tout ça. Ah bah là t'as les oiseaux qui gazouillent. Vous voyez c'est complètement le contraire. Je préfère entendre les oiseaux qui gazouillent que le vent comme ça avec la pluie en même temps. C'est horrible. Let's go là. On fait notre petite vélo en même temps. Voilà. Petite balade en vélo avant de se lancer dans les choses sérieuses. Et pourquoi du coup bah ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné? Bah parce que en ce moment je prends vraiment énormément d'avance dans mes vidéos, comme ça au moins je suis tranquille. Et vous êtes sûr d'ailleurs d'avoir les vidéos en temps et en heure, parce que sinon il risque d'avoir quelques trous des fois. Là au moins c'est sûr que vous ayez vos vidéos si je reste dans un rythme comme ça en prenant de l'avance. En ordre d'idée du coup on est le combien? Je vais regarder rapidement, je m'arrête. On est le samedi 12 septembre, du coup cet épisode bah, il sortira dans une semaine et demie pour vous dire, donc je prends quand même énormément d'avance, mais il le faut, donc les épisodes bien entendu précédents, donc c'est-à-dire l'épisode 17 et 18 si je me trompe pas, ne sont pas encore sortis à l'heure où je vous parle, donc voilà, ça c'est les conséquences de l'avance que je prends, mais il le faut bien si vous voulez vraiment, comme je le dis, avoir vos vidéos en temps et en heure.
Et c'est pareil du coup hein, sur les autres séries telles que Tomb Raider, Melee Général avec les armes, tout ça, j'essaye de prendre de l'avance un peu partout pour être tranquille après. On est arrivé du coup. Hop là. J'ai peut-être une idée. Non, je pense pas que c'est cette mission quand même. Non, j'ai pas d'idée finalement. Hein. J'ai pas d'idée. Par contre, il y a toutes les voitures ici de réunir, tranquille. Allez. Ça va être quoi le nom de la mission du coup? Peut-être que ça pourrait me dire quelque chose. Quelqu'un a parlé de yoga. Ok. C'est bon, je vois ce que c'est. Donc là, on va entrer dans une mission plutôt what the fuck. Et encore plutôt est assez diminutif. Hein. C'est vraiment what the fuck. Smoking in my house. You know, ever since that psychotic pal of yours turned up, you turned into an even bigger asshole. Thank you. Your support in my difficult times means the world to me. I've supported you. I left everything to come here with you, and still that crazy bastard turns up. I'll handle it. How? I don't know. Oh, you know what? Just keep him away from me and the children, you low-life, whoremongering asswipe. Did someone say yoga? No, I think she said whore-mongering ass wipe. Hello, Fabian, darling. Namaste, Amanda. Are we ready to practice? Yes. Oh, yes, she's very centered. A regular you oasis of peace and tranquility, this with one. Anger issues and worse friends. No wonder I'm so upset. You too, please. Namaste. We practice. Miguel, join us, please. No, please, no. No, no. The yoga is for sharing. Come, come, Miguel, come. Awesome. So Fab, if you can make me as happy and mellow as my wife, it'll be a job well fucking done. We are all on our own journeys, Mikhail. Man, no doubts. Why is she driving a tank on hers? Perhaps to deal with your hostility, Michael. Now here is good. We have the sun and the moribunda. Maribunda! Now we begin and put the asshole to the air. Yes? We begin each sequence. Tadasana. Tadasana. Yes. Or mountain pose. Alright. Un, deux, trois. Mouth and anus are perfectly in line. Show him, Amanda. Un, deux. Et c'est parti pour une séance de yoga. Mais c'est pas le seul truc what the fuck en fait de cette mission malheureusement. C'est ça qui est un peu dommage. Là c'est des QTE du coup. Ah il faut rester maintenir, moi je te restais pas maintenir du coup. Ah si il faut relâcher finalement, si si. J'ai raison, par contre j'ai mes doigts qui ont un peu mal, là je suis un peu désaxé, hop. Ok, non, j'ai R là qui est mal par contre. Ok, c'est bon, là je suis bien. Parce que sinon, t'as les doigts qui glissent. Ok, hop. Parfait. On est les PGM en yoga. Maintenant, nous allons faire quelque chose de compliqué. Sometimes, when I do this pose, I weep uncontrollably for hours. Oh wow. You feel that? The emotion inside. Let it go. Michael, join us. Allez. Quand faut y aller, faut y aller. The silly man forgets to breathe. Out with the breath. Là par contre je sens que je vais avoir du mal au niveau de mes doigts. Attendez, je suis pas bien calé. Non mais j'étais pas bien calé, il m'a fait rater du coup. Oh mais putain, mais au bout d'un moment t'as les doigts qui glissent. Hein. Ne peut pas. Là déjà j'ai voilà, j'avais déjà mes doigts qui glissaient, super. On recommence. Mais dis ça à mes doigts que c'est trop complexe. Si mes doigts veulent bien ne pas glisser sur les joysticks, ce serait très très appréciable. Putain.
Là, normalement, ça devrait le faire. J'espère qu'il n'y a pas un troisième, par contre, après, de QTE. Si, si, un dernier encore. Oh là là, là, je suis en mauvaise position pour mon... pour mon doigt de ma main droite. Ah! Là, je sens que j'ai mal au doigt, à part ça, non. Rien du tout. Quand t'as les trucs en diagonale comme ça, ça fait tellement glisser. Allez, ça va passer, ça va passer. Putain, ah, ça fait mal au doigt, quoi. C'est bon? Show us, Amanda. I don't think Michael's up to this. He may surprise you. Plank. Plank. Chaturanga. Chatur. Yeah. Beautiful. Mes doigts, s'il vous plaît. Everything is flowing in me. Chakra. Mike. Would you? Que dois-je faire? Allez, encore un petit QTE, quoi. Si encore les joysticks restent comme ça, c'est bon. Là, j'ai aucun problème. Ok. Oh, les putain, les deux. Ah, oh, ça va être chaud là. Ah, j'aime pas ça. Vas-y. Ok. Là, c'est bon. Ça, c'est la grosse mission QTE en fait du jeu. Ok. Ah bah bien sûr, pour bien finir, hop, on a la position bien dégueulasse qui fait bien mal aux doigts. C'est bon, dis-moi que c'est fini. Oh putain. Oh non putain, c'est là, je la sens pas. Oh là là, non ça, en fait ça va encore. Ou pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Non, ça va le faire. Mais ouais, putain, mais pourquoi ça a pas marché là? J'ai maintenu normalement. Me dis pas que je dois tout recommencer. La blague du monde. Allez. Ils sont un peu dégueulasses de nous faire tout recommencer quand même. Du coup, j'en ai profité entre temps pour faire. Petite pause. Hop. Là, je vous avoue que j'ai un peu oublié d'expirer. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Ça le fait. Normalement, c'est le dernier. Après, je crois que la mission est terminée. Ouais, je tourne au rouge, mais c'est mes doigts là qui tournent au rouge. Ils deviennent même un peu violets là, je vous avoue. Putain, mais non, mais j'étais pas bien calé. C'est chiant. Je crois que j'avais moins de mal sur PS3. C'est sa manette peut-être qui fait ça, je sais pas. Allez, ouf, c'est repas. Putain, mais... Michael n'a pas atteint l'illumination. Je suis trop un Illuminati aussi, tu vas me dire, ou quoi? Me dis pas que je bois... Non, c'est bon. Mais pourquoi il me fait un game over alors que du coup, je suis au même stade? Laisse tomber la logique de cette mission. En tout cas, je me souviens que j'avais pas autant galéré. Ça, c'est une chose qui est sûre. Putain, là, j'ai mon doigt encore droit qui glisse de la main droite. Ah là là, vite. Ah, merci. Je lâche là, hop. Oh là non, mon droit. Mais c'est toujours la main droite, là. Elle a du mal, elle la suivre. Ah.
sont chiants avec leur QTE de merde, putain. Ah, merci. Allez, celui-là, il est facile, normalement. C'est le dernier, là, celui-là, je le crains encore une fois. Quoi? Mais j'ai... Mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il me fait perdre d'une manière complètement non légale. C'est dégueulasse. Oh, elle me fait chier, cette mission, sérieux. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, ça m'a fait perdre? Ouais, je comprends pas du tout. Je comprends pas du tout. Bah, du coup, je pense qu'on va pas faire grand-chose dans cet épisode, à part le yoga. On fera juste peut-être le carnage de Trevor pour terminer, mais pas plus, là. Hein. Vu comment c'est parti... C'est un peu mort. Hein. Je pensais faire plus. Bon, au moins là, normalement, les cours de la bourse avec Franklin, ils sont un peu changés. Vu tout le temps qu'on prend pour faire une session yoga. Là, ça va, on enchaîne bien. T'inquiète. Non, c'est pas le dernier. Ça, c'est l'avant-dernier, je crois. Allez. Et là, il y a le dernier. Même pas. Non, même pas. Ça, c'est l'avant-dernier, du coup. Le mec, il se perd dans ce QTE qui fait mal aux mains. Et ses doigts qui souffrent de martyr. Ah, le final. Attends, hop. Tiens bien. J'ai encore mon doigt qui glisse. Ah, merci. Oh, mes mains, putain, j'ai souffert. His chakras are completely blocked. Don't worry about him. Show me the downward dog. I'm glad we have helped with your impotence, Mikael. What'd you say? Your sexual energies have been blocked for too long. Back into my pants. Back. Yes, there you go. Oh! Hey, enough of that! Yoga is the answer, Mikael. But what is the question? Why am I such a moron? We are leaving and we are never coming back! Good! You are alone, you pathetic psychopath! Fuck you! Ça finit en beauté! Bony! French! Fucking Yogi! Voilà, par contre, il a dit français de merde, je n'apprécie pas. Allez, dans la chambre de Jimmy. Ah, c'est pas fini. Mais est-ce que il y a... Bah, j'avais pensé en fait à un truc au début de la mission, qui aurait un événement supplémentaire, je dis pas lequel. Bah, finalement, peut-être que oui, vu que je vois que c'est pas fini. Ah, je pense bien. Hein. Ah, une nouvelle télé. On dirait la même qu'avant. Ah, ça va être ça. Putain, il a un vieux casque de merde, quoi. Ah si, ça va être ça. Donc oui, c'est bien ce que j'avais dit. Ça va être beaucoup plus what the fuck que vous le pensez, cette mission. Parce que là, c'était un peu... dans les grandes lignes, c'est simple, hein, tu fais du yoga, il n'y a pas plus, bon, certaines scènes un peu bizarres après, mais pas plus, quoi. Ouais, ça va être ça. Putain. Bon, là, on va rentrer dans une phase plus que what the fuck, quoi. Tu vois pas trop, en fait, le rapport avec ce que tu fais avant. Mais c'est ça, hein, le principe du what the fuck, n'avoir aucun lien avec ce que tu faisais avant. Voilà, bah, ça va être le corps, hein, t'inquiète. Ah, je suis même pas sûr du coup qu'on fasse le carnage, parce que ça peut prendre quand même un petit temps. Bon, ouais, on fera quand même le carnage parce que je suis sympa, sinon on n'avancera pas aussi. Donc, si on fera le carnage tout de même, on s'arrêtera là du coup pour cet épisode. Je pensais du coup finalement faire plus de choses, bah non, j'ai raté. Ok, il est là, le Burger Shot. There he is, the friendly neighborhood drug dealer.
Ouais, ça se voit. Man, good to see you. What are you turning tricks to pay for this shit, huh? Hey, who's the old man? It's my dad. Oh, all right, Mr. DeSanto. Yeah, you the kid selling Jimmy pot by the pound? Ah, Jimmy, bro, your dad funny, man. Come on, do this shit and let's get going. Oh, yeah, you got that other thing? Oh, yeah. Come on, man, what the fuck? Jimmy. Just hold on a second. Oh. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, je vois rien en plus, je peux pas tourner la caméra. Hey, let's bounce. We're bouncing now. Is that what we're doing? Jesus fuck. Comment je manœuvre là? Attends. Je vois rien du tout, c'est pas pratique. Alrighty then. Ok, c'est bon. Can we just get back to the house, please? Let's go, on rentre chez nous. Et là, vous vous dites, c'est ça ton truc, what the fuck? Bah, merci, hein, c'était vachement what the fuck. Ah non, t'inquiète, t'as encore rien vu. Ce n'est que le début, malheureusement. Ah, il aurait pas dû faire cette connerie, moi je vous le dis. Bon, votre écran ne devient pas fou, c'est le jeu, vous inquiétez pas. D'ailleurs, du coup, bah, j'ai un peu du mal à maîtriser mon véhicule. On se croirait un peu dans une Famous First Light là, quand il y a des scènes un peu bizarres. C'est un peu le même genre là. Non, vous n'avez pas non plus un problème de son, vous m'entendez très bien, c'est juste bah, le jeu, encore une fois, qui fait des siennes. Enfin, c'est tout à fait normal après, bien entendu. Oh là là, c'est bizarre. Ah, le salaud. Oh, le salaud. Bad trip. Mais c'est la planète des singes ou quoi là? C'est tellement what the fuck. Ah là c'est moi qui contrôle je crois. Ouais c'est moi. Youhou. Cette scène est quand même vachement connue hein, sur GTA, même ceux qui n'ont pas fait le jeu, je pense qu'ils l'ont déjà vu parce que c'est vachement connu. Il y a d'ailleurs eu quelques quand même polémiques hein, sur cette scène, comme qui disait bah, peut-être que c'est pas la drogue, peut-être que c'était même pas un rêve, peut-être que c'était réel justement cette scène. Beaucoup de débats hein, c'est par rapport aux extraterrestres bien entendu, donc voilà. À vous de juger par vous-même maintenant. Moi je pense que c'est juste un bad trip, voilà, c'est normal. Enfin normal non, parce que normalement tu vis pas des trucs comme ça. Avec des extraterrestres et tout, mais c'est pas grave. Ouhou, je sais pas où on va atterrir, mais c'est pas grave. C'est intense! Et voilà. Oh shit. Tu te demandes quand même comment il s'est retrouvé en caleçon si le truc des extraterrestres n'est pas vrai quand même. Tu te demandes ce qui s'est passé. Ok, c'est bon, on commence à
avoir un peu plus le contrôle de Michael là. Ah là c'est bon, on est de retour. Ouf. Par contre j'ai la flemme d'a... Oh si c'est bon, tu peux aller à pied, hein, on va pas gêner. Ah. Est-ce que c'est un rêve ça aussi? Parce que j'ai pas envie que ce soit réel. Elle m'est pas du tout. Bonjour, je me balade. Laissez-moi s'il vous plaît. On arrive. Est-ce que c'est ouvert ici? Oui, heureusement. Oh dis donc. Michael, I think you finally lost your mind. Your recent behavior and the company you've been keeping already had me very concerned. Now you've taken to attacking my Fabian, who is a close friend, and then Jimmy said you took drugs while driving him in your car. We've decided to move out for a while. You promised me you'd change, and you haven't changed a bit. I know you say I always act like I'm in a movie. Well, this isn't that. I think I'm gonna speak to a lawyer. I'm just really confused. Please, don't try to contact us and try not to get yourself killed. Amanda. Fuck! Oh mon Dieu! RT si c'est triste, parce que ça l'est vraiment, c'est très très triste. Ok, bon, objectif, regardez pas. c'est pas préférable de regarder. Oh la tristesse. Maintenant, après tout ce temps, moi, normalement, je sais que j'en parle beaucoup, mais l'argent a peut-être fructifié. Le mec qui se concentre juste sur ça, quoi. J'ai perdu de l'argent, merci. Donc tu fais une mission, finalement, tu l'as fait pour perdre de l'argent, bah bravo, félicitations. Allez, on va passer rapidement avec Franklin. Et si, bah il n'y a toujours rien, voilà, on va passer avec Trevor. On fera le carnage et on terminera sur ça, cet épisode du What the Fuck. Du gros What the Fuck. Alors, t'en es où toi, Franklin? As-tu vécu de belles aventures depuis? Ou ça s'est passé comment? Non, je suis désolé. Alors, internet, merci, j'adore quand ça bug comme ça. Argent et services, Bausok ou Bausak ou je sais pas quoi, ou juste. Toujours rien, mais j'ai l'impression que ça bougera jamais, quoi, le truc. Non, rien. Rien du tout, donc voilà, bah, on va passer du coup avec Trevor. Parce que là, concrètement, c'est un peu la merde. Je me demande d'ailleurs si l'argent va fructifier un jour ou l'autre, parce que là, ça me paraît un peu désespérant. Hop. Putain, il y a 5 avec Trevor? Oula. Pourquoi il y a autant de trucs avec lui? Ouais. Bon, bah, je crois que le prochain épisode, ce sera un épisode avec Trevor. Oh, bah, tiens, regardez. Lui, il s'amuse bien, on dirait aussi, hein. Et on vomit tous les chips dans la fontaine. Bah si, c'est pas beau. J'avais les piercings dans les années 90. Merde, quoi. What the fuck. Donc on a bien 5, j'ai pas rêvé. Oui, c'est bien cela. Et pourquoi on a autant de trucs? Ah, c'est parce qu'il y a les trucs des objets de star, là, de monsieur et madame, je ne sais plus quoi. C'est pour cela. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse, nous. Ça va être le carnage qui va nous intéresser en cette fin d'épisode. Impossible, ça doit être un imposteur, il est mort, j'ai vu les photos de ses funérailles. Je sais ce que je dis, pourquoi il vient pas me rendre visite. Brad, c'est qui Brad déjà? Brad. Ah oui, Brad, c'est vrai, c'était le compagnon de braquage. Quoi? Compagnon de braquage? Moi, je comprends plus rien. Ah bah si, si, si. Oui, c'est parce que vous devrez pas savoir un truc, du coup je vais pas le dire moi. Oui, ok, je comprends. Je comprends d'où vient ce message. Il a un intérêt assez important d'ailleurs, ce message dans l'histoire. Je vous en dis pas plus pour l'instant, peut-être que certains ont compris. Mais je vous spoil pas, hein, la suite du jeu serait pas marrant sinon.
Sinon, bah, Trevor, il est tranquille, hein. Il est un peu comme Michael, lui, en slibard. Non, il a un pantalon, quand même. C'est un peu mieux, niveau tenue. Venant de lui, ça m'étonne un peu, quand même. Hein. C'est trop, trop étonnant. Hop, FPS. Dommage qu'on n'a pas les espèces de cornes de taureau là à l'avant, soit stylé en plus en VFS là. On va défoncer les camions et tout. Ah Youpi. Là on est en plein quartier. Quartier wesh wesh quoi. Donc ça va se battre dans les quartiers wesh wesh. Je suis prêt. T'inquiète. C'est pourquoi encore qu'ils vont se fight cette fois. Toujours pour des conneries au pire. Oh y'a les chats. Oh ça faisait longtemps. Vite. Le chat! Ah oui, un chat en vue FPS, encore mieux! Voilà, on a tué un chat, ça faisait vraiment longtemps, je sais pas combien d'épisodes, mais ça faisait longtemps. Ok, bah c'est eux. Hein. Carnage, des balas cette fois. Après les bagos, c'est les balas. Oula, tu sais pas à qui je parle, toi? It's not legally fucking if you do not. Carnage! En vue FPS, ça va être encore mieux. Je vais le faire en vue FPS celui-là. Avec la 47 en plus, waouh. On va le faire comme ça, encore mieux. C'était quoi ce lance-roquette? Il est parti d'où lui? What the fuck, quoi. On peut pas changer d'arme si on a une grenade, bien entendu. Non! J'ai oublié qu'on pouvait lancer les grenades sans devoir les sélectionner en appuyant sur la flèche de gauche. Hop. La petite grenade. Ouais, même si celle-là est un peu mal lancée, je l'accorde. En fait, ils sont tous sur les toits, ok. J'avais pas trop fait gaffe, je vous avouerai. Du coup, je me faisais un peu bombarder depuis tout à l'heure. Bon, par contre, niveau efficacité de l'arme, la K47, c'est pas la meilleure arme. Hein. Il y a beaucoup mieux, quoi. Heureusement qu'on est invincible parce que là, je serais mort je ne sais pas combien de fois depuis. Ok, tir 80 sur 100, c'est parfait. Ça me fait chier de recharger à chaque fois d'ailleurs. Et lui, il veut pas mourir aussi. Ok, c'est bon. Fini. Réussi. Carnage balas. Excusez-moi. Alors, ok, bon, bah, c'était de la merde, hein, sinon. sinon, bah, on s'est un peu fail, voilà. Bon, bah, voilà, du coup, pour cet épisode 19 du Let's Play sur GTA V. J'espère, en tout cas, que ce dernier vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me fera extrêmement plaisir. Et du coup, on se retrouve bah, dès vendredi pour la suite avec le 20e épisode déjà. Oh, ça va vite. 20e épisode. Oh, mais qu'est-ce que tu nous fais, Trevor? Ok. Donc, ceci est de la morve, à ce que je viens de voir, non? Cette espèce de texture, là. Ok. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Du coup, on se retrouve vendredi pour la suite avec l'épisode 20 qui sera bah, tourné à la suite de cet épisode. Là, je vais tout de suite enchaîner. Et en attendant, bah, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Bye tout le monde! Oh yeah!